Pour Saint-Etienne, aucune victoire depuis le 1er décembre, soit 12 matchs en 4 mois. Strasbourg lui arrive avec tout le monde, le Boeuf et Souzet sont rétablis. Les Verts dominent sans grand danger jusqu'à ce coup franc de Moravcik pour la tête de Sanjak. Le Slovaque Moravcik se place sur tous les coups de pied arrêtés, cette fois-ci avec un petit peu moins de précision. Mais on le retrouve beaucoup plus efficace sur ce centre. Un corner pour la tête de Despérou. Encore une fois, ça ne change pas, un coup franc pour Lubo Moravcik. Séché manque le ballon, Manucci reprend sur le poteau, Eliazid Sanjak marque pour Saint-Etienne, 1-0, 7e but cette saison pour Sanjak. C'est du moins ce qu'on le croit avant de voir le ralenti. D'abord, la reprise de Manucci sur le poteau. Et dans la foulée, on se rend compte que c'est Régis qui devance le genou de Sanjak et qui marque contre son camp. 5 minutes avant la mi-temps, les malheurs de Régis continuent. Il reçoit son 2e carton jaune de la soirée qui se transforme vite évidemment en rouge. Et c'est exceptionnel parce que Strasbourg enregistre là son 1er expulsé de la saison. Il n'y avait que lui et Metz qui n'en comptait pas. 1-0 pour les Verts à la mi-temps. Les supporters savourent. Saint-Etienne ne compte que 4 victoires à domicile cette saison. Retour des vestiaires des Stéphanois en pleine forme. Lubovir Moravcik tout d'abord se retrouve en bonne position, puis tout seul, et finalement tire sur le poteau. On retrouve Lubo Moravcik très vite. Une nouvelle attaque stéphanoise, Archech lance Moravcik. Il fixe le Boeuf et finalement réussit à passer pour Floto. Une balle que Vincel doit repousser avec brio. Le ballon revient pour les Verts, de plus en plus confiant, de plus en plus dangereux. Moravcik donne ce ballon à Chedli qui vient d'entrer en jeu. Un centre pour Floto, encore Sylvain Floto de la tête, marque le 2e but pour l'AS Saint-Etienne. C'est sa 2e titularisation de la saison, sa 1re à Geoffroy Guichard. Et il inscrit son 1er but en première division à 18 ans et demi. Ça a de quoi faire plaisir. Même avant de jouer à 10, Strasbourg manquait un petit peu d'allant. On ne trouve là que Franck Leboeuf pour faire un retourné dangereux sur la cage de Grégory Coupet. On en reste là, 2-0 pour Saint-Etienne qui récupère la 17e place de Lille. Strasbourg rate une chance de se rapprocher des places européennes.